Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle édition de l'ABC du chinois. Avec aujourd'hui à nouveau un programme assez chargé, par quoi va-t-on commencer, Shuli? Eh bien, nous allons vous présenter les pinyins zi et ci. Pour ensuite nous focaliser sur le changement d'intonation du caractère i. Nous aborderons également le radical zi. Et enfin, nous analyserons la symbolique des couleurs chinoises qui ne correspondent pas vraiment aux codes de couleurs occidentaux. Quelle est la différence entre le z et le ts, Julie? Eh bien, le z n'est pas aspiré. Il contient moins de friction et est plus court. Le ts est aspiré, contient davantage de friction et plus long. La plupart des apprenants pensent que le pinyin ci est plus difficile à apprendre. Tu pourrais nous recommander une méthode pour faciliter son apprentissage? Bien sûr. Il s'agit de prononcer tout d'abord le ci, puis de diriger la pointe de ta langue vers les dents du haut. À force de répéter cet exercice, vous prononcerez parfaitement le pinyin ci. Comme vous pouvez le constater, le z et le ts s'écrivent de la même façon qu'en français. Cependant, leur prononciation est différente. Voici la prononciation de ces deux pinyins aux quatre tons. Tsa, 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 tsa. Tsi, 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 tsi. Tsa, 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 tsa. Ci, 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 ci. Zuo ye, zuo ye. Les devoirs. Tsan jia, participer à. Ba cao, ba cao. Enlever les mauvaises herbes. Maman, on minia à chez chez à Tanja Yolado. Oh, Haza, Kouyi Hodon ingaiti Tanja. Maman, n'en go à Jason Sota, Hei Karma Bouma. Tanja Mio. On minia à Bata, Hail Talanga. Ha, on s'en a de Chuginja. Maman, 我明天要去学校参加有劳动。妈妈，我明天要去学校参加义务劳动。好孩子，公益活动应该积极参加。妈妈，能给我找一双手套和一块抹布吗？干什么用？我明天要拔草，还要擦栏杆。我明天要拔草，还要擦栏杆。好，我现在就去给你找。妈妈，早上好。起来了，昨天晚上几点睡的？11点。这么晚？醉比较多。早饭在桌子上，洗好了就去吃。妈妈，早上好。起来了。昨天晚上几点睡的？11点。这么晚？作业比较多。作业比较多。早饭在桌子上，洗好了就去吃。Comme nous l'avons vu lors des cours précédents, certains caractères chinois connaissent des changements de ton
en fonction de leur usage. Nous allons focaliser notre attention aujourd'hui sur le « i ». Il se prononce généralement au premier ton, mais dans certains cas, on le lit au deuxième, voire quatrième ton, voire même au ton neutre. Lorsque « i » est seul ou lorsqu'il forme un numéro, il se prononce au premier ton « i ». Écoutez bien. I, 1. Di, I, le premier. Shi, 11. Lorsqu'il est suivi d'un quatrième ton, I se lit au deuxième ton. I, par exemple, I, ting, certainement. I, kong, en tout. Lorsqu'il est suivi d'un premier ton, d'un deuxième ton ou d'un troisième ton, il se lit au quatrième ton. Comme ceci, I. Par exemple, 一张纸, un papier. 一条裤子, une paire de pantalons. 一起, ensemble. Lorsqu'il est utilisé au milieu d'une duplication de verbes, il se prononce au ton neutre. Voici des exemples. 听一听, écoute, écoute. 等一等, attends, attends. Cette forme de duplication s'utilise souvent pour exprimer une action de courte durée, adoucir le ton et donner une touche décontractée et informelle.